Bonjour et bienvenue sur FS Studio. Aujourd'hui, le commandant de bord, c'est moi, Marie-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, ce sera un vol entre San Diego et Las Vegas. Alors, tout d'abord, ça sera plutôt une vidéo de présentation où, quand même, je vais respecter à 99,9% la réalité, c'est-à-dire un plan de vol déposé, trajectoire de départ, trajectoire d'arrivée, checklist 737, tout comme la réalité. Alors, cette vidéo s'adresse en premier pour les utilisateurs de Flight Simulator, qu'il faut savoir que Flight Simulator est un des jeux les plus joués au monde, où 80% des gens font juste joujou. Alors que si vous êtes vraiment un passionné, vous pouvez pousser votre simulateur à 99% comme la réalité. On va dire que le pourcent, ça sera juste le mouvement de votre chaise, vous n'aurez pas. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite pour vous présenter le plan de vol qu'on va trouver ici. Donc Fly Sim Commander, ça sera la version 9 pour ici. Voilà, on va aller sur San Diego. Donc on voit qu'il fait un peu gris avec un peu de vent, mais un vent très calme. Voilà. Hop. Et l'arrivée à Las Vegas. Donc c'est une arrivée qui se fera par suivi, que vous voyez ici. Hop, voilà, suivi. Et sur l'arrivée, on appliquera la procédure. Hop, ici. Donc la procédure, on arrivera de suivi qui est ici. Et on prendra AMIG, JOGMU, RUNV. Et on coupera le pilote automatique à RUNV pour faire une approche manuelle sur la 19L. Donc on voit bien les taux d'altitude. AMI, il faudra être à 5008, JOGMU 5003, RUNV 4005 et RUNV, comme je l'ai dit, on décochera le pilote automatique pour arriver en manuel sur la 19L. 19L qui est ici, on voit bien sur le plan. Donc normalement, c'est une arrivée au Cap 200. Et pour la trajectoire de départ, hein, qui est aussi importante, voilà. Donc on décollera de la 02. On fera un virage quasiment 180 degrés sur notre gauche au cap 120. Puis on rattrapera le cap 080 sur le vore PGY. Et on fera notre trajectoire SID de départ sur JLI. Voilà, Juliette, Lima, India. Qu'on peut retrouver hop, 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 ici. Voilà. Hop. Donc. Ici, je ne programme pas la seed. Donc, on fera notre départ qui sera comme ça. Tac, tac. Et on remontera vers JLI qui est ici. Voilà. Donc, pour pousser votre simulateur à la réalité, il vous faut quand même un certain type de machine, d'ordinateur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai moi. Voilà, je vais le laisser s'ouvrir. Voilà, donc j'ai un CPU 960 à 3,20, un overclocké à 3,8, 3,860 que vous pouvez voir ici, au maximum. Donc là, il est réglé pour le maximum. Donc je suis en overclocking, water cooling aussi. J'ai passé à la carte mère, j'ai une Rampage 3 Black Edition, une des meilleures de chez Asus actuellement. Memory, j'ai 12 Go, Corsair. Donc c'est de la très bonne cadence, 2000 MHz. Overclocké aussi, hein, vu que le FSB est overclocké. Et graphique, Nvidia GeForce 295, qui n'est pas elle overclockée. On peut le voir en 3D application. Je suis à 176, 1242, 1008. Vous allez voir que c'est un rendu qui est déjà très impressionnant dans Flight Simulator. Surtout qu'on recherche beaucoup plus la fluidité de l'image, le FPS. Que le reste. Voilà, surtout que là, je vais enregistrer avec Fraps dans Flight Simulator et que ça va être un peu difficile. Donc j'ai dû éteindre le trafic aérien car j'ai Ultimate Traffic 2, mais j'ai coupé le trafic aérien pour faire cette vidéo-là pour que ça reste fluide à l'image, que ce soit plus agréable à regarder. Autre détail, si vous voulez que votre simulateur soit vous soyez plus intégré dans votre simulateur, je vous présente le track IR, hop, que je vais allumer ici.
Voilà, le trachéaire, c'est un système de reconnaissance faciale. Donc en fait, j'ai mon casque sur les oreilles, forcément, et j'ai un petit système sur le casque qui capte les mouvements de ma tête sur un environnement 3D. Vous pouvez bien voir ici, là je baisse la tête, je monte la tête, je regarde à gauche, je regarde à droite, je peux zoomer, m'approcher de l'écran. Quand je m'approche de l'écran, vous voyez bien que, hop, ça bouge. Je vais vous montrer un petit détail avec... Voilà, le capteur que j'ai sur la tête. On voit bien le mouvement. Hop, voilà. Et je vais vous passer en... Alors... Je sais plus. Voilà, dans un cockpit d'avion. C'est une image, hein. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc je peux regarder à gauche, je peux regarder à droite. Mes instruments de bord. EFI, CMD, FMC, Overhead, Central Panel, je peux tout regarder dans un environnement 3D sans bouger. Enfin, vous êtes 2 fois plus dans votre avion que sans ce système-là. Donc ça coûte pas très cher, ça coûte environ 150 euros pour le Trachier 5. Moi j'ai le Trachier 4 que j'ai payé 110 euros, je crois. Mais si vous pouvez avoir le dernier qui a une résolution un peu plus grande. Ce serait, enfin c'est pour vous, ce serait encore mieux. Voilà. Donc je vais le fermer, pas le fermer, mais le rétrécir. Et on se retrouve dans Flight Simulator dans quelques minutes.
TCAS test. Pass. This right place.
Departure check completed. Bypass bin inserted. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Glide slope. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear.
set parking brakes. Is clear.